L'autre bagay, m'bralé kounya na Ariel Henry. Alors, monsieur, dame, m'en gen nouvelle. Monsieur, ça que yore li Ariel Henry ya. Ariel Henry, eh ben, on konne te gampil en pile rumeur que t'ap kouri sou liye. Est-ce que Ariel Henry en bas code? Eh ben, ti monsieur, si bien, si yore tout dit nous, non, que Ariel Henry pas en bas code. Alors, bah, de Ariel Henry seulement, t'ap parlé, non, mais yore parlé de Ariel Henry tout. Ma fait nous tende, ti monsieur, si bien, si yore, alors, nous bral tende tout, j'en ou bien parlé de Haïti, c'est comme ça. Le journaliste soit bas information, c'est information en bas. Ou bah, quand journaliste soit bas information, et puis, ou, c'est presque en vivo, yon, l'autre en babis, ou fait plus que bas information, ou presque voyer le monde en babis, là. Non, bah, qu'à faire le comme ça. Non, non. Ou bah, qu'à faire le comme ça, ou bah, qu'à la gueule comme ça. Ou bah, quand journaliste, puis, ou, ou pour traiter machin de micro dans sens inverse, là. Oui, oui, en bête, les modes. En tout cas, un côté CBS, qui a posé bonne question. Question ça y en a de qui concerne les citoyens et Ariel Henry. Disappearance from public view of Haiti's outgoing prime minister. Manuel Bojorquez is in Cap Haïtien, the country's second largest city, more than 100 miles. Alors pour les bagailles, nous même si pas dit Cap Haïtien, il dit Cap Haïtien. Ça dit où est son monde qui réellement a travaillé sur dossier Haïti. Il va veut dire Cap Haïtien, il dit Cap Haïtien. Oui oui, il va dire Cap Haïtien non, il dit Cap Haïtien. Ça veut dire, ouais, la fond, il faut, pour répéter, parole, yo, dans vrai sens, yo. Là, il a parlé du premier ministre haïtien qui était disparaître, disappearance. Ça a été disparaître. People in the area yesterday. And another issue, the disappearance from public view of Haiti's outgoing prime minister. Manuel Bojorquez is in Cap Haïtien, the country's second largest city, more than 100 miles north of the capital. Manuel, good morning. Good morning to you, Vlad. So the prime minister decided that he would eventually step down, a decision he made about a week ago, but things have only gotten worse here. Gang violence has escalated in the capital, Port-au-Prince. Food insecurity is severe in parts, and there are still no signs that significant amounts of aid are making it in. Just journaliste Ali, même qui est direct de Cap Haïtien, qui c'est deuxième ville pays, a précisé que premier ministre là, décidé éventuellement, pas il beaucoup démissionné, éventuellement l'a démissionné. Mais depuis là, il vient faire annonce là. Situation, c'est pis mal, situation, vient pis mal. Et situation, moun qui n'a grand groupe par jeune manger, vient pis mal. Et pas gagné en pile aide humanitaire qui court rentrer réellement en Haïti. Donc, c'est journaliste, CBS, lui-même qui présent donc, dans Cap Haïtien, qui a parlé avec CBS Mornings. Eh bien oui, CBS donc qui gagne, journaliste par là lui-même qui présente donc au Cap Haïtien. Yeah. And CBS News has confirmed that former Prime Minister Henry is now under Secret Service protection in the United States. Et médias accès à un média aux États-Unis, donc groupe CBS l'a dit, ils ont confirmé eux-mêmes que Ariel Henry, je ne jodi a li en bas protection. Service secret les États-Unis, donc, il y a des sources dans DHS, là, DHS qui c'est boss service secret, donc, qui probablement dit, yo, que Ariel Henry, li en bas, donc, protection service secret, qui a dit, moun qui l'a, pour protéger leurs dirigeants étrangers dans la ville, les États-Unis, donc, service secret protégé, yo. Donc, yo même, c'est service secret, donc, qui a balle sécurité dans le moment palé, selon ça, CBS News dit lui-même que li vérifié. Last known location was Puerto Rico. It is unclear exactly where he is now. Dernier côté où t'es connu Ariel Henry, c'était Puerto Rico. Mais journaliste CBS l'a précisé, c'est pas un bagage qui clair qu'on y a qui côté Ariel Henry. Alors est-ce que Ariel Henry toujours Puerto Rico? Est-ce qu'il pas Puerto Rico encore? Donc même mieux dire, dernier location, dernier espace où on est, dernier côté où on est, donc c'était Puerto Rico. Mais pour qu'on y a, c'est pas un bagage qui paraît clair. Pour qu'on connaît qui côté exactement monsieur Ariel Henry y est. But even though he agreed to step away, which is something the gangs have been demanding, the violence has not stopped. Yesterday, gangs attacked two upscale neighborhoods in Haiti's capital in a rampage that left at least a dozen people dead. Meanwhile, alors préciser que malgré monsieur donc d'accord démissionner, hein, mais bagaille ça pas campé violence gang yo en Haïti et hier donc gang yo yo attaqué on quartier dans la capitale là et des assassins pile violence qui gagne yo gagne au moins donc une douzaine de monde qui mourit qui rete à terre. Alors ça bien dit donne nota et vous t'a cacher le traducteur comme si les ministres là avant
pas de traducteur là, pas de traducteur pour ministre. Ou gars là quand son jouer job moi. Job moi ti moi, pas jouer job lui. Oui. Bon jouer job et bon jouer job lui donc ti moi. Les ministres là parler tout ça même de qui puis bagarder à c'est le rapporteur. Gain des côtés en même gain c'est même les qui ambassadeur. C'est lui même qui oblige à écrire rapport. Si ministre parle l'autre ministre pareil, ben ambassadeur avec bon côté là, il va lui même qui a écrire rapport. Non, papa, diplomate, là, c'est un job qui est compliqué, job ça et tout. Oui, oui. Le madame président vini tout, le madame président va finir tellement qu'on job pour Nations Unies. Ou obligé de dire, madame, faut y parler, madame, pas là, faut qu'on est, ou les deux, trois mesdames là, qui comprennent qu'il faut gérer madame, ou par contre, il y a quelques madame président qui sont gauchers. Lorsque madame président gaucher, Timon, nous font tirer à aller, hein, ou font tirer à aller, Timon. Alors, pas oublier, non. Quartier côté ou attaqué, hein. C'est ça, on dit upscale neighborhood, ça veut dire des quartiers en hauteur dans montagne, ça veut dire côté grand dégrété. Faut nous comprendre bien, oui. En tout cas, CBS dit nous le compte causé à Timoun. Gang yo, donc, yo attaqué des quartiers dans les hauteurs de Port-au-Prince. Donc, yo attaqué et bagay ça. Alors, lui-même, lui fait lien, mais nous-même en Haïti, nous pas jamais fait lien. Moi, pas jamais fait lien là. M'bat trouvé gang tap touye moun dans rue panaméricaine. Dans rue panaméricaine, là, c'est des cadavres yo joignent à terre. Gang yo, même, yo tap fait opération dans la boule et dans Thomasin. M'ba konnen à qui moment que gang yo même yo té rivé dans zone so bien si yo té jamais rivé m'ba kwè yo té rivé pendant journée hein nous pas konn pendant la nuit là donc du même li fait lien hein mais nous même pas bien haïtien nous gagne plus détail sûrement que li nous pas ka faire lien hein? Gang yo té attaqué vrai upscale dans Bayou qui en haut donc les quartiers qui en hauteur du Port-au-Prince là quartier côte grande égrété nous connaît déjà té gain problème vrai même pas ka faire lien hein? Avec rue panaméricaine est-ce que donc gang yo yo te attaqué moun la pour te tuer moun la de toute façon moun noté jonaté yo nous bote content des paroles gang là c'est après nal kon paroles gang là c'est après nous fin tande fait couvrir cadavre ça yo m'a précisé yo à terre depuis dans zone minuit 30 minuit 40 pour pifo là-dedans yo on continue. Well, on Sunday, the U.S. State Department chartered the first flight out of the country in 2 weeks on board more than 30 Americans who landed. Eh ben dimanche dernier les États-Unis ont organisé un vol charter, c'est-à-dire un vol spécial pour te retirer donc des citoyens américains en Haïti, plus que une trentaine là-dedans, ils te prend place dans vol ça. Safely in Miami. And just yesterday, Florida Congressman Corey Mills coordinated a second rescue mission, a private flight, which airlifted 13 Americans out. Alors, on aime te dire, tout le monde a fait border sous Haïti. Eh bien, il y a un député dans Florida qui est même en campagne électorale, ou qu'on est député aussi pour 2 ans aux États-Unis. Eh ben, lui-même, tout le temps, allé en Haïti, sans même. Rone, ça me doula. Tout le monde a fait visibilité, on va prendre visibilité. Comme si là, moi-même, là, m'avais sorti, là, ok, on doit aller en Haïti, là, tout. Eh, m'avais sorti visibilité, m'vais chercher quelqu'un en Haïti. Oh, Fernando a bien travaillé, là, mes amis, Fernando a l'air pour Haïti, mais député, elle a bien travaillé, pas qu'on s'allie, c'est bon. Ou bien député, ok, t'as mis le reportage, là. Eh, quittez le marché. Of Port-au-Prince. The State Department says roughly 1,000 Americans here in Haiti have signed up for information about upcoming flights. Département d'État, c'est le ministère des Affaires étrangères pays les États-Unis, expliquer que gain pour pipiti plus que 1000 citoyens américains qui sont donc inscrits en ligne pour commander des informations sur qui les a gain des vols pour retirer koyo en Haïti. Alors on connaît grand pile là nous cap dit mon compagnie en Haïti qui annonce vol, m'a dit nous vol compagnie a pas pris dit tout non. Compagnie a ensemble vol là gain monté plus que $900. Ça m'a pas nous bagaille ca 5 après-midi. C'est-à-dire, pour qu'on y a m'a si toujours gain place. Mais vol pour te sortir Haïti Allemagne, elle te monte $900 américains. Donc, on s'allie déjà Timon. C'est sorte qui baille CBC d'avoir tout ça qui pas bon pour yon libre pour l'autre. Compagnie, elle, tout a fait si comme lui, Timon, quitte le marché. Jamais elle dit, donne sorti, m'la, oui, compagnie a fait si comme lui, l'a quitté le marché. From here, Cap Haitian, to the United States, but it is unclear. Ou a besoin, ouais, cardiac enzyme yo. Est-ce que yo élevé dans bloodstream patient? Est-ce que yo plus, là, n'a parlé de cardiac enzymes, n'a parlé de protéines qui relâchent dans bloodstream patient. Et ça fait les heart muscles, les muscles qui n'ont qu'un, les dommagés, ou qu'à ouais, yon élévation dans cardiac enzyme dans 100 patients. Les cardiac cells, yo, ou bien heart cells, les yo dommagé les nou n'a poué ça dans bloodstream patient n'a poué enzymes yo élevé
OK? Ça veut dire si gen antikwa nan système immunitaire, qui ça veut dire? Yon antikwa ou genyen seulement les ou genyon pathogène ke ou bâti yon sorte de protection contre les antikwa. Ça veut dire si système nous bâti genyen antikwa tout temps, ça veut dire système nous toujours sous goumé. OK? C'est ça que fait les très important pour nous manger bien, pour nous manger en pile végétal. Très spécifique que quand on bâtit une immunité contre lui. Ça, qui c'est Active Natural Immunity, li pa yon spécifique, ok? Mais c'est une immunité ou gen contre une série de maladies. Natural Immunity. On nous lit définition pour ou après ça, nous allons expliquer plus. Passive Natural Immunity, c'est anticorps qui sorti nan maman. Rentre dans placenta ou soit à travers les tétés maman bay ti bébé a. Ti bébé a pat activement fait anticorps sa yo. Ça veut dire anticorps sa pat sorti dans bébé a, c'est les maman en bal tété li joine li ou bien li joine à travers placenta. Qui pi faible ou bien en sécurité nous ka di, qui pi faible